Salut les viewers, c'est Norquise Bonus et bienvenue dans le Playroom pour ce nouvel épisode de Fallout 3. Et non, je ne vais pas faire l'épisode totalement comme ça. Bienvenue dans cet épisode de Fallout 3, donc avec ce magnifique masque de pompier, normalement, il me semble. Hein. Je pense que ça va être une base sur un masque de pompier. La dernière fois, nous avions fait de l'automutilation, nous avons fait plein de choses. Maintenant, il nous faut trouver des rataupes. Je vous rappelle qu'on a ce bâton répulsif du caca, quoi. Hop, je vais quand même vous le montrer, le machin. Ah, oh, le bâton, en fait, qui est complètement irradié. V, non, c'est F. C'est F, voilà. Donc, nous y allons, on va chercher du rataupe, hein. Rien de plus, rien de moins. C'est parti. Déjà, 59 steampack absorbés. Ce qui prouve à quel point j'en ai chié. Bonjour. Bon. Vous cherchez un petit remontant ? Non, moi je cherche des rataupes, monsieur. Alors s'il vous plaît, ne m'embêtez pas. Alors. Voyons voir, donc ça c'est les égouts tièdes. Eh bien écoutez, on va y aller. Est-ce qu'on a moyen de se téléporter un peu plus près ? Super Duper Mart. Parfait. On y va. Est-ce qu'il y a du monde? Est-ce qu'il y a le Yaogwai qui est revenu? Non. Rien de tout ça. Il y a le truc là-bas. Bon, le seul souci, le principal souci, c'est qu'il va falloir traverser de l'eau. Et cette eau sera forcément un poil irradié. Juste un poil. Il y a des endroits qui me disent des choses par là. Il y a clairement des gens là-bas, je les... Putain! C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ces choses, elles viennent toujours. Elles me font peur. Arrêtez-les. Du calme, ça va aller. Premier petit, ça va. Je suis un mec qui assure. Je peux m'occuper de toi. Vous avez l'air plus robuste que les autres adultes. Merci. Vous pourriez me protéger? J'aimerais bien t'aider, mais il faut d'abord que j'en sache un peu plus. Chose énorme. Il y en a partout dans Greyditch. Et elles ont tué tout le monde. S'il vous plaît, monsieur, retrouvez mon papa. Tu m'en demandes beaucoup. Ok, qu'est-ce qui s'est passé ici? La vie était agréable ici. Personne ne nous embêtait. Probablement parce qu'on était tout près de d'ici. D'accord. Cette personne vivait ici dans des grandes maisons en briques. Je crois qu'il n'y a plus que moi. Ces choses ont pris tous les autres. Ok. Tu connais bien les autres gens de la ville? Non. Les gens ne restent pas longtemps à Greyditch. Les ruines de DC ne sont pas un endroit oui, tu m'étonnes. Pour s'installer, vous savez. En fait, papa parlait de déménager bientôt. Ça devait faire un an qu'on... Ok, j'aimerais savoir autre chose. Je vais tâcher de retrouver ton père. Oui, vraiment. Ma maison est juste à côté du grand panneau. S'il vous plaît. Disco, écoute, tout ce que tu peux faire pour aider peut sauver des vies. Non, je n'ai que ce que je porte sur... D'accord. Il y a un endroit où tu pourrais te cacher pendant que je cherche? Eh bien, il y a l'abri personnel à côté du vieux restaurant. Voilà. Papa disait toujours de ne pas y aller. Mais je vais aller là-bas et attendre à l'intérieur. Ok, bon bah écoute. Si tu le dis. Elle. C'est marrant ça. Ça, ce sont des gens plutôt sympathiques, je pense. On va traverser l'endroit assez rapidement. Hein. On va quand même se rendre directement au niveau de la quête. Quai de Willem. Pardon. Ouais, on va essayer de traverser et se rendre directement dans les égouts tièdes. Anchorage, War Memorial. D'accord. Alors normalement, de l'autre côté, à partir du moment où on est de l'autre côté, il y a beaucoup de super mutants. Hop. Je l'avais pas vu, j'en ai loupé une apparemment. Tant pis pour ma gueule. Ça m'apprendra à vouloir faire mon fort. Alors regardez, déjà là-bas il y a un senteur. Deux senteurs. Est-ce qu'on peut prendre par exemple
Je me trompe de bouton. C'est quoi? Ah ah! 7, c'est des mines, des grenades. C'est le pistolet laser, ok. Donc 5, on a dit, c'était le sniper. 6, c'était la carabine. Alors pour la petite information, on va quand même tenter. Je suis trop loin. D'accord, même à cette distance-là, j'ai si peu de points. Alors par contre, ça m'ennuie, j'ai plus mon fusil de chasse. Oui, c'est vrai, j'ai changé. J'ai mis ça à la place. F5, est-ce qu'ils m'ont vu? Oh, ils m'ont plus ou moins vu. On va y aller. Il y a de l'eau entre nous, c'est parfait. What? Ils me vomissent dessus, c'est dégueulasse. Anchorage Memorial. Putain, mais foutu les boules, vous. Moi, j'aimerais traverser. Rat de cafard, ça c'est rien encore. Oh, un fongeux. Oh, des fongeux. Bonjour. C'est pour un sondage. Oh la gueule. Voilà. Parfait. Aïe. Allez, forcément, je vise beaucoup moins bien maintenant que j'ai perdu. Ok. Alors, j'ai pas beaucoup de vie, je prends des radiations. Donc, on va aller se soigner un petit coup. Hop. Oula, j'ai gaspillé un truc, c'est dommage. Normalement, niveau... Ouais, on est remonté. Pas assez près. Oh! Voilà. Boum! Voilà. Niveau fond jeu, je pense qu'on a dératisé la zone. Ce qui m'ennuie un peu plus, c'est qu'il y a une quantité de... rats de cafard dans le coin, c'est violent. Bizarrement, je les entends, mais je ne les vois pas. Là, un de moins, il y en a un là, parfait. Aïe, je t'avais pas vu, putain, je regardais la minimap en fait. Voilà. Parfait, donc au niveau de tout ça, on l'a bien fait. Maintenant, plus qu'à trouver les égouts tièdes. Le problème, c'est que j'ai l'impression qu'on va trouver plus de fond en jeu dedans que de... Ah, ça va être ça. Hop. Égout tiède. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Le mec il en bute un, tu sais, comme ça. Ah, oh, bah tiens, on va aller voir.
D'accord, essayez le produit répulsif sur 3 râteaux. Système de contrôle des tourelles. D'accord. Il faut science, hein. Il doit avoir un fringue, mais alors est-ce que j'ai le niveau? Compétence. Science 32, c'est pas la peine. D'accord. Il aurait fallu que j'ai plus de points en science, d'après ce que j'ai compris. Bon. Mais écoutez, ça peut s'arranger dans le prochain niveau, ça. On n'aura peut-être pas suffisamment, mais avec une tenue, on devrait pouvoir y arriver. C'est pourquoi je pense qu'on va ressortir. Hop, on fait une petite sauvegarde rapide comme ça au passage. Et on va aller se balader là-dedans. Ça c'est barricadé. Autrement dit, je veux voir. Crèche de Dukov. Oh, sûrement un pédophile. Non? Y a affaire à qui là, maquet? Qui sont ces filles et où sont leurs fringues? Ce sont mes copines. Chanceux? Une seule fille ne me suffit pas. Il m'en faut deux. Je les épuise toutes les nuits. Mais c'est la nuit. Si elles s'habillaient, il faut... Oui, je comprends. Alors ces filles sont juste des putes. Hé, fais gaffe à ce que tu dis, pompe de clown. Je ne les paye pas. Elles s'occupent de moi et je m'occupe d'elles. On se frotte la couenne toute la nuit. Il est bon, ce gars. Et je peux prendre un peu de cette gnôle? Serre-toi, pompe de clown. Prends dans l'armoire à alcool. Jamais confiance aux gens qui ne boivent pas. Mais je ne fais pas plus confiance. T'as raison. Je ferais mieux de filer avant d'attraper la migraine. Que faites-vous ici tout seul? Bouffer, péter, boire et baiser. Putain, il est bon celui-là. Ici personne ne m'emmerde. Je peux faire ce que je veux à qui je veux. D'accord. Te prends pas la... Salut beau mec. Fantasia, salut, bonjour. Salut mec. Je m'appelle Fantasia. D'accord, donc c'est pas chéri, donc. Qui êtes-vous? Pourquoi cet habit? Dookie n'aime pas que je sois très habillée. Il dit que ça ralentit le passage. Bon, elle a peine à être malheureuse. Alors, comment est-ce Dukov? Il peut être vraiment marrant. Mais il sait comment épuiser une fille. C'est violent. Je suis en sûreté ici. Par contre, mieux vaut ne pas dégainer. Et ne te lance pas dans un concours de tir avec lui. L'enflure, il est bien installé. Lui, oui. Moi, moins. Je profite seulement des lieux. Il sait tenir à... D'accord. Alors, comment est-ce, Dukov? D'accord. Bon, en fait, tu es une pute. Mieux vaut être pute que morte. Oui, c'est pas faux. Alors, c'est quoi exactement son droit? D'accord. Il passe sa vie à boire et à faire la fête. Pas mal. À plus. Et on va aller voir Chéri, parce qu'après tout... Salut, trésor. Je m'appelle Chéri. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Juste au passage, chers amis, je vous invite à regarder les textures qu'on a sur les murs. Hein? Ensuite, à regarder les textures de la lingerie. On sait à peu près ce qu'apprécient les développeurs de Fallout 3. Pourquoi n'as-tu rien sur le dos? Dukov aime que ce soit chaud. On n'a besoin de rien d'autre. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il en est avec Dukov? C'est un vieil obsédé. La seule raison pour laquelle je les tolère, lui et ses besoins. C'est parce que je suis en sécurité ici. Ah, surtout. Il a tendance à tirer avant de poser des questions. Ne sors pas une arme près de lui. Et il vise. Bon sang, j'aimerais en avoir autant que lui. Tu le sais, ça? Je ne fais ça que parce qu'il me protège. Je ne sais pas combien de... S'il est terrible bien avec moi, je te protégerai. Seulement si tu m'emmènes arriver. Ça a marché en plus. Je n'espère pas obtenir de moi la même chose que Dukov. On fera paya sa part. Oh. Rivet City alors. Laisse-moi préparer mes bagages. Oh attends. Ok, j'ai réussi. Je lui ai piqué une fille. Moi j'aimerais bien par contre. J'aimerais bien le prendre au tir en fait. Ce serait cool.
de la gnôle. Il est vachement bien ici en fait le bonhomme. Il a même un fusil d'assaut, oui. Et il me tente, hein. Bonsoir. Si c'est fermé, c'est pour une bonne raison. Franchement les amis, il me tente, hein. Il me tente même beaucoup. Elle me suit. Il a une moto en plus. Par contre, je sais pas si c'était une bonne idée de monter. Compte tenu de ce qu'il y fait là-haut. Y a pas de bouquin sympa. J'imagine que c'est pas un grand lecteur, si vous voyez ce que je veux dire. Il fait autre chose au lit, à mon avis. Enfin bon, pourquoi pas. Oh putain, j'avais pas vu la lampe. La gueule. La gueule, voilà, c'est ce que j'allais dire. Qu'est-ce que tu fais, trésor? Ouh! Un jardin abîmé, mais il est classe, on a un jardin, faut reconnaître. Casier. Nuka-Cola, il a son propre distributeur en plus. Ouvrir armoire. Eh, ça me tente de le buter. Je l'admets. Faudrait le trouver, une fois que je l'ai. Ses fils sont... Je peux avoir un autre verre. D'accord. Oui, c'est un assassinat. Et alors? Désolé. Déshabillé. Voilà, c'est pour ça que je l'ai tué, chers amis. Pour son déshabillé. Par contre, il a une clé spéciale. Activer jukebox, non. Ça m'intrigue cette clé spéciale, chers amis. Arrêtez. Oh, pardon. Ça va être pour ça. Hop. Bureau vide. Bah, y'a rien dedans. Oui, peut-être qu'il a diminué, mais alors. C'est sans espoir. Ah, mais pourquoi elle me vole? À l'aide. Pourquoi elle me vole? Pourquoi elle me vole? Bon. J'ai les deux meilleures putes de terre, désolé. Ah, elle dit... Voilà. Et même mort, j'avais pas le droit de le tuer en fait. Ça y est. Ah, maintenant on va aller voir une des filles. Alors ce con de Doukov. Mais il va falloir que je... Je n'ai qu'un. Allez. D'accord, donc je peux pas l'emmener. C'est intrigant. Mais je pense, chers amis, qu'on essaiera de trouver une idée à ce petit truc-là dans un prochain épisode. Et si je dis ça, c'est simplement parce que je pense que ça pourrait être une bonne idée de d'agir différemment. Et vous voyez, il n'y a encore pas la clé spéciale, le truc de la clé spéciale. Ce qui m'intrigue encore plus. Donc les amis, je pense qu'on va se laisser là. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce vériser, la commenter, la partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom. On pourra trouver le lien dans la bannière de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens. Une petite image sympathique. Oh, j'ai envoyé le fusil voler. C'est pas grave. Petite image sympathique. Salut les gens.